Voilà. Alors, chers amis, bonjour, bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez la vidéo à tous vos amis. Ce matin, je ne vais pas être long, mais je vais déjà dire certaines vérités après le départ de Patrick Kachi de la primature. Comme je l'ai dit, nous sommes des hommes politiques. Notre combat, c'est d'amener nos hommes politiques à s'améliorer et à faire plus pour le pays. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je le dis à chaque fois. Je le répète à chaque fois. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc, le défi, là, c'est un défi pour nous tous. La stabilité, la paix, le développement et autres, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes des Ivoiriens. C'est notre pays. La stabilité, la paix et le développement doit être notre priorité. Parce que quand on venait là, au feu Boigny, afin de ce pays, un pays stable, un pays développé. Donc, la génération actuelle, nous avons un défi à relever. C'est d'imposer cette même stabilité, ce développement et continuer d'être le pays le plus puissant de la sous-région. Chers amis, nous allons revenir au départ de Patrick Kachi et à ce nouveau gouvernement. Vous savez, moi, je ne passe pas autour des choses. Je ne suis pas dans cette politique qui consiste en de... Non. Je vous ai dit, j'ai fait la politique en Côte d'Ivoire. L'Europe m'a ouvert les yeux. C'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai compris ce que c'est que la politique. Parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup pensent que la politique, ce sont les émotions, c'est le tribalisme, c'est les clans, c'est le régionalisme, c'est la haine, c'est les injures. Non, hein, c'est pas ça la politique. Hein. La politique, là, c'est comment transformer le quotidien des Ivoiriens chaque jour. Améliorer vos vies, vos conditions de vie, vos régions, vos villages, vos campements. Comment faire de sorte que vos parents aient le minimum. C'est ça le sens véritable de la politique. C'est ce que l'Europe m'a plus appris. C'est ce que l'Europe m'a appris. Hein. Moi, quand je rentrais en Europe, là, quand je rentrais en Europe, là, ici, là, moi, Jasso, là, je suis Ivoirien. Je ne suis pas de leur nationalité. Je ne suis pas leur citoyen. Mais quand je suis arrivé, là, la manière dont j'ai été traité, la manière dont on m'a pris, dont on a pris ma famille, c'est là que j'ai compris ce que c'est que la politique. J'approchais les hommes politiques européens. Je partais à des conférences, à l'Assemblée nationale. Je partais pour comprendre pourquoi ils sont aussi forts que ça. Mais c'est simple de m'expliquer. C'est une question de volonté. Il faut des hommes sérieux, honnêtes, qui savent réellement ce qu'ils veulent. C'est tout. Chez eux là-bas, là, tout le monde est impliqué. La stabilité, la paix, c'est leur priorité. Parce que c'est pour leur génération, c'est pour leurs enfants. Quand ils naissaient, il y a eu la paix. Non, eux, ils sont dans l'esprit de la continuité. C'est le combat des Européens. Je viens en Europe, on me donne tout. Moi-même, là, je viens dans mon pays. Il n'y a pas un jour un ministère m'a appelé. Il n'y a pas un jour où on m'appelle pour me dire, Zasso, tu as déposé tel dossier, ou bien tant. Ça n'existe pas. Sur le plan, là, eux, ils le font. Alors que je ne suis même pas leur propre citoyen. Je ne suis même pas leur propre citoyen, mais j'ai vu. Tu déposes tes courriers dans l'administration. Le lendemain matin, on va t'appeler. On va te donner. En fait, eux-mêmes là, ils sont. C'est-à-dire, chaque jour, ils anticipent. C'est-à-dire, quand je regarde tout ça, ça me donne l'envie de faire la politique. La politique, là, ce n'est pas la haine. Est-ce que nos enfants vont à l'école? Est-ce que les enfants sont soignés? Nos femmes sont soignées, les hommes âgés. Tout ça. Nos villes sont développées, nos villes sont propres. Est-ce que, au plan politique, parce que ici, moi je suis désolé, hein, en Suisse, l'État ne finance pas les partis politiques. En Suisse,
L'État ne finance pas les partis politiques. Les partis politiques, l'État finance que les représentants à l'Assemblée nationale. Les groupements politiques à l'Assemblée nationale que l'État finance, l'État ne finance pas les partis politiques. En Côte d'Ivoire, l'État finance les partis politiques. Tous les partis politiques sont financés avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire qu'on prend l'argent, nos impôts, tout ce qu'on paye pour financer les partis politiques. Donc quand on parle là, ne soyez pas surpris. Parce que ce sont les taxes qu'on paye, qu'on prend pour financer vos partis politiques. Dans les pays développés, c'est les militants et les cadres qui financent les partis politiques. Ici, là, les partis politiques profitent des caisses de l'État. Donc quand on parle, il ne faut pas que les gens vont être surpris. Moi, je leur dis la vérité. Parce que pour moi, ce n'est même pas normal. Que des gens créent des partis politiques, ils ont des subventions. Bon, et nous, les autres Ivoiriens, on doit aussi avoir des subventions de l'État. On doit être aussi soutenu par l'État. Parce que nous aussi, on se bat pour la stabilité, la paix dans le pays. Non, ce sont des vérités. Tant que vous n'avez pas compris et que vous pensez que la politique, c'est faire la promotion de vos ethnies, de vos parents, de vos clans, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris et vous allez toujours aller de régression en régression. Et c'est dommage. Chers amis, je vais sur le cas Patrick Hachi. Moi, je l'ai dit depuis longtemps. Et à chaque fois, je le répète. J'ai dit, ceux qui veulent succéder au président Ouattara, ceux qui veulent vraiment aider le président Ouattara, ils n'ont qu'à apprendre à faire la politique. Je l'ai dit ça toujours. Apprenez à faire la politique. La politique, là, c'est fédérer les citoyens d'un pays. La politique, là, c'est le développement. Être sur le terrain, être partout, toucher les problèmes des populations du doigt. Patrick Hachi, j'ai dit toujours auprès de tous ceux qui veulent être premier ministre. Quand on vous nomme premier ministre, c'est pour travailler pour le peuple. C'est pour travailler pour les Ivoiriens. Quand on vous nomme premier ministre, c'est de réaliser le programme de gouvernement du président qui vous a choisi. C'est pour ça que vous êtes premier ministre. Le premier ministre pilote la politique du chef de l'État. Le président Ouattara a été élu sur la base d'une politique, d'un programme et d'un projet de société. Non, le premier ministre, là, c'est son travail. On te confie une équipe. Quand on te nomme et que tu sais que tu n'arrives pas là, tu démissionnes. J'ai dit toujours, moi je ne suis pas dans les trucs où on joue les hypocrites, on veut forcément être ministre, on veut forcément être premier ministre. Moi je ne suis pas dans ça. Quand tu penses que tu es bloqué, il y a un système qui te crée des problèmes, les choses ne vont pas, il faut rendre ta démission, tu dis au président Ouattara, vraiment ça là ça ne m'arrange pas, moi je quitte. Tu deviens plus crédible. Tu deviens plus crédible. Mais si les gens pensent que, parce qu'on les a mis premier ministre, ils vont devenir successeurs de Ouattara, ils se trompent. Parce qu'on t'a nommé ça, ou tu as eu un peu d'argent, tu vas devenir successeur de Ouattara, tu te trompes. Vous vous trompez, et moi je vous dis la vérité. Parce que je serai sans sentiment avec qui que ce soit. Aujourd'hui, où on arrivait là, où on arrivait là, ce n'est plus des amusements. La Côte d'Ivoire, après, vous voyez, a connu un coup d'État, a connu une rébellion. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Nous avons eu 40 ans de stabilité sous Fouboigny. Aujourd'hui, il faut des hommes conséquents, compétents, sérieux, pour remplacer Ouattara demain. Parce qu'il a appelé un jour à partir. Il a appelé un jour à partir. Il a beaucoup fait. Je vais dire aux gens, le président Ouattara, là, vous, quand vous parlez, c'était dans l'ombre qui parlait là. Celui qui veut succéder à Ouattara, là, il n'a qu'à être fort. Si tu veux vraiment être le successeur de Ouattara, il faut être vraiment fort. Si vous continuez à ce rythme-là, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez pas succéder à Ouattara. C'est moi qui vous dis, j'assume ce que je dis. Je suis Ivoirien, c'est la terre de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire, le même combat que vous menez, c'est ce que je mène. Il y a eu des... Attends, Amadou Gon est décédé. Ahmed Bakayoko est parti. On a mis Patrick Hachi. Je me suis débattu pour rencontrer Patrick Hachi. J'ai même dit à certains ministres, dont je ne citerai pas les noms, je vais parler à Patrick Hachi. Parce que la manière dont je vois les choses arriver là, je ne suis pas sûr qu'il va durer le premier ministre. Je l'ai dit. Avant-hier, j'ai fait un poste. J'ai dit la Côte d'Ivoire, comment ça fait combien de jours? Une semaine, j'ai fait un poste. J'ai dit la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là où on est là, on n'a pas besoin forcément d'un technocrate puissant.
On a besoin aujourd'hui d'un homme politique. Parce que Ouattara lui-même, c'est un technocrate. C'est-à-dire la politique du développement de Ouattara a déjà planifié ça. Depuis que Boigny, c'est une continuité, il a déjà planifié ça. Aujourd'hui, là, il faut un homme politique pour fédérer les Ivoiriens. Mettre les Ivoiriens au même pied. Nous considérer de la même manière. Nous traiter de la même manière. Amadou Gon, là, j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais Amadou Gon, il était très bien parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup, tu pleures encore Amadou Gon. Beaucoup pleurent Amadou Gon. Parce que Amadou Gon, il parlait avec tout le monde. Il a compris. Parce qu'un jour, je lui ai dit, j'ai dit au premier ministre, il a dit, vous avez fait le RDR. Le RDR a eu une histoire. Le pouvoir que vous avez pris là, ne vous renfermez pas dans un système. Ouvrez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on a appelé à rester au pouvoir pour faire plus que ce qu'Ofo Boigny n'a pas fait. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans un parti pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis désolé. Partagez la vidéo, hein. Envoyez la vidéo à tout le monde. J'ai dit à Amadou Gon dans le temps, si je suis venu à Abidjan, c'est parce qu'Amadou Gon m'a rassuré. Il dit, petit frère, viens reprendre ton travail que tu as commencé. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais après lui, après son décès, il y a eu Ahmed Bakayoko. J'ai pensé que Patrick Kachi pouvait tirer les leçons des décès de nos aînés Amadou Gon et Ahmed Bakayoko. Quand il a été nommé, il a fait référence à Amadou Gon, il a fait référence à Ahmed Bakayoko. J'étais très content. Mais en réalité, le grand frère n'a pas, ça dit, il n'a pas essayé de monter. Il a dit changer certaines choses, essayer de. Mais il s'est laissé plomber dans le même système. Ça dit, il s'est laissé, ça dit qu'il s'est maintenu dans un système qui lui-même est aujourd'hui à la base de son départ. Parce que j'écoutais tellement de personnes, mais moi je vais vous dire la vérité. Hein. Un premier ministre, c'est un citoyen ivoirien qu'on choisit comme homme. Je peux dire ce que je pense à un premier ministre, moi ce n'est pas mon problème. Moi je suis un citoyen libre. Je dis ce que je pense. Amadou Gon est parti, Ahmed est parti, il y a eu un vide. Petit frère, je suis en direct, je peux te rappeler. Amadou Gon est parti, Ahmed est parti, il y a eu un vide. Il y a eu un grand vide. Personne ne fait d'effort pour être à l'image du président Alassane Ouattara. Je voudrais dire aux gens, le président Ouattara, le pouvoir, il n'a pas eu ça cadeau. Le pouvoir là, le président Ouattara n'a pas eu cadeau. Le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire à un moment difficile et la Côte d'Ivoire était au bord de l'explosion. Où la Côte d'Ivoire était au bord de l'explosion, vous pouvez l'appeler. Les étudiants, tout le monde était dans les rues, vous pouvez l'appeler. Le président Ouattara est arrivé, il a fait baisser la tension. Il a pris ses responsabilités. Ceux avec qui il ne veut pas travailler là, les faux types les a dégagés. Les faux types là qui étaient dans des systèmes bizarres, des systèmes qui épuisaient, qui appauvrissaient les Ivoiriens. Ouattara les a débarrassés d'eux. Il a proposé une équipe. On a vu les forces réactionnaires du système PDC-IRDA. On a vu la suite des choses. Mais il n'a pas baissé les bras. Le président Ouattara est resté constant. Il s'est donné toutes les chances au plan international, dans la sous-région et dans son propre pays. Le président Ouattara était partout en Côte d'Ivoire. Il a réussi à s'imposer. Il a convaincu même les plus caciques. Il était encore dans l'opposition. Je l'ai dit, ouvrez bien vos oreilles parce que maintenant on va vous parler. On va vous parler. Parce que le combat que moi, Zasso, je mène, je ne me laisserai pas distraire. Par qui que ce soit, même s'il a un titre de ministre, ça ne m'intéresse plus. On va passer à la vitesse supérieure. Ce gouvernement qui vient, on va le suivre de près. On va suivre, même dans les administrations. Il y a tellement de choses qui fonctionnent mal. Il y a tellement de choses. Et j'attendais beaucoup de Patrick Kachi. Quand Patrick Kachi a été premier ministre, j'ai dit, ah, il peut faire de grandes choses parce qu'il a une expérience. Malheureusement, Patrick Kachi n'a pas su comprendre que, pouvoir là, quand Dieu t'a donné, à toi-même de te donner les chances.
Parce que Dieu ne peut pas tout faire pour toi. À toi de te donner les chances. Patrick Cassi était bien parti. Il était bien parti pour rester jusqu'en 2025. Malheureusement, il s'est engouffré dans un système. Le même système qui a contribué à déstabiliser non seulement Amadou Gon lui-même, Ahmed Bakayoko lui-même, il s'est enfermé dans le système. Ça aussi, c'est des choses, il faut qu'on le dise. Quand vous venez à la tête d'un ministère, mais quand tu es premier ministre là, tu pilotes les actions. C'est-à-dire, le président Ouattara aujourd'hui là, il ne peut plus aller partout. Aujourd'hui, le président Ouattara ne peut plus aller partout. Il a tellement de charges. Et il a tellement travaillé. En 2020, il a pris le plus gros risque. Il a pris le plus gros risque. Lui-même, il a dit, laissez-moi aller à la retraite. Mais à cause de ces cadres, le président Ouattara a pris le plus gros risque. Nous avons soutenu cette lutte. Parce que pour nous, le président Ouattara est un espoir pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'après Houphouët Boigny, la succession a été une catastrophe. Houphouët n'a pas su préparer sa succession. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas su préparer sa succession. Il a fait confiance à son Letini. Il a fait confiance à Bédier. Mais finalement, Bédier n'a rien apporté. Quand je leur dis ça, ils pensent que je mens. Le combat politique, ce n'est pas son Letini. Ça ne veut rien dire. Ton Letini n'est pas forcément réussi à stabiliser ou à réussir la continuité, même s'ils sont tes frères. Ce n'est pas franchement vrai. La preuve en est que Bédier, quand on lui a confié la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a confié la Côte d'Ivoire à Bédier, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la catastrophe. Bédier n'a pas su sécuriser la Côte d'Ivoire. Bédier n'a pas su protéger les Ivoiriens. Bédier a humilié la Côte d'Ivoire, père à son âme. Père à son âme. On sait où la Côte d'Ivoire est partie. Gueye est venu. Gueye n'a pas été à la hauteur. Bagbo est venu, ça a été la catastrophe. Le pays s'est coupé en deux. Soro Diom là-bas, Bagbo là-bas. Moi, j'avais foi à Patrick Cassi. Mais sincèrement, j'ai été déçu. Regardez la COCAN. Combien de milliards investis pour l'organisation de la CAN? L'organisation de la CAN, combien de milliards? Réhabilitation Félicia. Ce soit 5 milliards. Le stade de Yamsopro, 48 milliards. Stade de Korogo, 50 milliards. Stade de San Pedro, 42 milliards. Réhabilitation, Imbempe, 20 milliards. Le tout fait plus de 225 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est quand même trop pour un pays qui a connu beaucoup de crises politiques. Pour un pays où la jeunesse n'arrive pas à s'en sortir. Pour un pays où les jeunes n'arrivent pas à investir. Pour un pays où les jeunes n'ont même pas de moyens. Pour un pays qui sort d'une crise. On a mis beaucoup d'argent. On a mis beaucoup d'argent. Mais quand on fait ça là, on veut voir le résultat. Les travaux, à un certain moment donné, étaient bloqués. Ceux à qui on a confié les marchés. Les entreprises à qui on a confié les marchés. Il y a des entreprises qui ne bougeaient pas. Il n'y avait pas d'argent. Alors qu'on leur a donné de l'argent pour ça. Ce sont toujours les mêmes entreprises. Ce sont toujours les mêmes personnes. Depuis 13 ans qu'on est au pouvoir, ce sont toujours les mêmes personnes qui s'approprient tout. Et qui n'arrivent pas, malgré tous les milliards qu'ils ont, ils n'arrivent même pas à aider la jeunesse. Ils n'arrivent même pas à soutenir la jeunesse. Ils n'arrivent même pas à soutenir la politique du président Ouattara. Depuis 13 ans, ils sont multimilliardaires. Mais regardez les jeunes du parti. Aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, la plupart des marchés publics sont octroyés aux étrangers parce que c'est les étrangers qui ont l'argent. C'est quoi cette politique? Mais il y a un premier ministre. Je le dis, j'assume, quand vous êtes premier ministre, quand tu ne peux pas, tu rends ta démission. Quand on te met ministre dans un gouvernement, tu ne peux pas, tu rends ta démission. Il faut qu'en Afrique, on ait le courage. Si on veut aider Ouattara, soyons honnêtes avec Ouattara. Si on veut vraiment l'aider, on a qu'à être honnête. On ne peut pas gaspiller beaucoup d'argent comme ça pendant que nous autres, on a trop de problèmes dans le pays. Les gens ont trop de problèmes. Les crises politiques ont appauvri les Ivoiriens. Regardez vos banques. Quelle politique, depuis que je suis là, je regarde Patrick Cassi. Allez-y dans les banques, demandez même des financements. Les banques vont vous demander des lots de dossiers.
des lots de documents, du n'importe quoi. Je vis dans un pays où ça n'existe même pas. Ils ont une politique qui facilite la tâche à leurs citoyens. Mais regardez les ministres. Mais c'est à vous de faire des propositions au chef de l'État. C'est à vous. Vous ne pouvez pas seulement créer un clan qui s'enrichit. Et les Ivoiriens, dans leur majorité, sont dans des conditions précaires. Ce n'est pas normal. Regardez les grands chantiers. Mais le président, c'est tout. Le premier ministre, c'est toi qui as ton équipe. Il faut t'imposer. Si tu ne peux pas t'imposer, ce n'est pas la paix. Ouattara, il s'est imposé lui-même. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Le président Ouattara s'est imposé lui-même. Il n'a pas manqué son pouvoir. Au fond, lui a donné, il a fait son travail. Il n'est pas d'accord avec ses déjoues, pas d'accord. Il n'est pas gradé au fond, Boigny. Voilà comment je vais fonctionner. Tu m'as confié une mission, donne-moi tout le pouvoir. Au fond, lui a donné le pouvoir. Au fond, lui a donné le pouvoir. Mais il a protégé la Côte d'Ivoire. Sinon, la crise de Côte d'Ivoire, c'est un grave prix depuis longtemps. Il a relevé de grands défis. Là où là, aujourd'hui, il est en train de prendre de l'âge. Si on vous choisit comme des premiers ministres, vous ne pouvez pas être à son image, rendez vos démissions et puis arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder parce que on dépense assez d'énergie pour défendre le pouvoir du président Ouattara. Le pouvoir RHDP. On oublie même nos familles. On s'oublie nous-mêmes. Dans le pouvoir, on ne gagne rien dedans. Pouvoir là, on ne gagne rien dedans. Ils sont ministres, ils sont temps. Ils sont ministres, ils sont temps. Même notre dossier n'avance pas. On se connaît. Parce que c'est des clans. C'est un tribalisme. C'est un système créé pour fragiliser d'autres personnes. C'est dans ça qu'on est. Je me suis battu, j'ai dit, mais il faut que je rencontre le premier ministre Patrick Hachi. Parce que la manière dont les choses fonctionnent ne me plaît pas. Tu vas regarder les villes de Côte d'Ivoire. Les villes sont sales. Les villes sont sales. Les villes de Côte d'Ivoire sont sales. Les carnivores sont sales. Vous arrivez dans les marchés, c'est la déception. Allez-y au Ghana, allez-y au Kenya, allez-y au Rwanda. On a nommé un premier ministre qui doit avoir un pouvoir sur ceux avec qui il travaille, qu'on appelle ses ministres. On est là, c'est des petits trucs que je vois sur les réseaux sociaux. Le premier ministre doit aller manger à quelqu'un. Premier ministre, c'est toujours c'est les mêmes personnes là derrière lui. Mais ce sont ces mêmes personnes qui étaient à Dougon, qui ont été avec Ahmed. Mais qu'est-ce que ça a changé? Ils sont là depuis des années. La machine est devenue lourde. Dans les administrations, tout est lourd. Quand tu arrives dans les administrations même là, toi-même là, tes lames coulent. Tes lames coulent. Chacun fait ce qu'il veut. Souvent même, chers amis, il y a eu trop de désordre. Amadou Kon était vigoureux et ferme. Amadou Kon était vigoureux et ferme. Amadou Kon a contribué à faire sortir beaucoup d'Ivoiriens de la misère. Il a pris de la hauteur. Moi, je connais des ministres qui vont dire à Amadou Kon, il ne faut pas faire ça pour lui là. Amadou Kon dit niette. C'est moi qui vous dis ça. Il y a des choses, j'ai pas envie de dire. Hein. Il y a des régions là, on dit on ne veut pas Amadou Kon, on dit c'est pas possible, je ne suis pas venu pour ça. J'ai fait le RDR. J'ai mené une lutte au RDR. Je ne suis pas venu pour m'enfermer dans ce système. Il disait non à cet cassique qui voulait détruire d'autres régions. Allez-y aujourd'hui chez moi à Gagnon. Vous arrivez à Gagnon, on dirait que ce n'est même pas une ville de la Côte d'Ivoire. On dirait qu'on n'est même pas dans la Côte d'Ivoire. On dirait qu'on n'est même pas dans la Côte d'Ivoire. Regardez les infrastructures qui sont lancées. Mais arrivez, Gagnon là. C'est quand même une grande ville. Gagnon, c'est la ville de Laurent Gbagbo. C'est la ville du président Ouattara. C'est la ville de Didier Drogba. Même si Gbagbo n'a rien fait. Je comptais sur Patrick Hachi pour lancer les grands chantiers de Gagnon. De Issia jusqu'à San Pedro. Rien n'a été fait. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. On est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas ici pour dire ce roi comme ça. Assimi Goïta, vous-même là, dans le pouvoir là, on va maintenant vous parler. On va maintenant vous parler. On va maintenant vous parler. On ne va plus jouer avec vous. Hein. Parce que le vrai mal du président Ouattara, c'est dans son propre camp. C'est dans son propre camp. Je prends ma voiture, je fais le tour de la Côte d'Ivoire, je vois des villes, mes larmes coulent. Je me demande, je dis, mais le président Ouattara ne se déplace plus trop. Mais est-ce que le premier ministre aussi, mais le premier ministre, il faut faire
le tour des régions de Côte d'Ivoire. Il faut aller dans les villes et les régions, il faut dormir là-bas, il faut voir les problèmes, il faut toucher les problèmes, il faut venir voir le président Ouattara, venir voir le président pour dire ici, il y a une urgence. On est resté là pendant des années, j'arrive, je vois Gagnon, mes larmes coulent. Gagnon n'est pas une ville maudite. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive chez moi, mes larmes coulent, c'est pas normal. Je vais ailleurs, je suis fier. Quand je prends depuis son théâtre, comme on appelle, jusqu'à les grandes villes du Nord, mais le développement est parfait. Les jeunes ont des financements, ils ont tout. Vers chez nous, on arrive, c'est un blocage. On ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est un groupe de ministres qui se comportent comme ça. C'est pour ça que je comptais sur Patrick Caché, je voulais le rencontrer pour dire, ouvre un débat franc avec le chef de l'État, parle avec lui. Ouvre un débat franc avec le président. Moi, je connais le président Ouattara, j'ai été son porte-parole. C'est un homme très ouvert. Il aime la liberté d'opinion. Quand tu n'es pas d'accord, ce n'est pas bon, il faut dire. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que le président Ouattara ne sait pas. Est-ce que le président Ouattara sait que nous, on est dans le pays? Est-ce que le président Ouattara sait? Il ne sait pas. Est-ce que le président Ouattara connaît nos conditions dans ce pays? Il ne sait pas. On sait qu'il avait une politique où tout le monde doit rentrer pour se positionner, pour faire la politique. Mais la politique a besoin de moyens. Quand les gens nous voient partout, les leaders d'opinion, les cyberactivistes, regardez la communication de son système. Il y a eu la crise politique. Nos soldats ont été arrêtés. Je n'ai pas entendu Patrick Caché. Premier ministre de Côte d'Ivoire. On a arrêté les soldats ivoiriens. Je n'ai pas entendu Patrick Caché. Je n'ai pas vu l'engagement du premier ministre. Mais tu ne veux pas rester dans les dossiers techniques seulement. Tu as déjà des directeurs de cabinet. Tu as des ministres, tu as des directeurs de cabinet, tu as des chefs cadres. On arrête les soldats ivoiriens, je n'attends pas. Mais le premier ministre, ce n'est pas le président qui veut pas courir, mais le président quand même. Le président, c'est votre grand frère. Le combat là, c'est vous qui allez mener ça face aux putschistes de la sous-région. La sous-région est infectée de putschistes, de terroristes, de Wagner, partout. Et c'est Ouattara on attaque, c'est Ouattara on insulte. On traite de Ouattara de tout, mais regardez sa communication. Mais c'est le premier ministre qui doit parler de ça. Ce qu'il va faire, c'est de recevoir, on dirait, des blogueuses là, à la primature. Combien de combats ils mènent ces blogueuses contre le pays, pour la stabilité et le développement du pays? C'est-à-dire, ils sont entourés par des individus, tu ne leur apportes rien. Et j'assume ce que je dis. Ils sont dans des systèmes où ils se font entourer par leurs propres parents. Ils sont dans des clans, ils sont dans le tribalisme. J'ai vraiment horreur de ceci, j'ai vraiment horreur de ça. Les gens pleurent, mais vous pleurez pourquoi? Il est parti. Il est parti. Il a terminé des infrastructures sous Gbagbo. Je les ai bombardés sous Gbagbo. J'ai dit, mais Patrick Caché, ministre des infrastructures, Gagnon n'a même pas route. Gagnon n'a rien. Gagnon n'est pas quand même une petite ville. La troisième grande ville économiquement solide qui supporte l'économie du pays. Ces choses, mais regardez Gagnon. Gagnon n'a même pas de ministre d'État. Même ministre d'État, on n'en a pas. On n'a même pas ministre d'État. Souvent, je me demande, mais je dis, c'est à Patrick Caché de parler avec le président. Comme monsieur le président, vraiment, je suis allé à Gagnon, mais il y a tant. Je suis allé à Guibéloua, il y a tant. Je suis allé à Issia, il y a tant. Je suis allé à San Pedro, il y a des urgences. Patrick Caché peut aller dormir là-bas. Mais quand il va, il est toujours les mêmes personnes. Partout où il va, il est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire, les mêmes personnes. Tu sens la base de beaucoup de désordres, il est toujours avec eux. Mais comment tu vas avancer? Le président Ouattara va t'enlever, ça c'est clair. Il va t'enlever. Moi je connais le président. Aujourd'hui le président Ouattara cherche celui qui peut le protéger lui-même. Celui demain quand il ne sera pas là, qui va protéger la Côte d'Ivoire. Parce que protéger la Côte d'Ivoire, c'est protéger le président Ouattara lui-même. Mais on regarde, on observe. Moi je vais leur dire la vérité. Hein. Restez dans vos clans, restez dans vos systèmes. Mais votre système que vous mettez toujours en place, là, ça n'arrange pas le pouvoir HDP que nous défendons. Parce que regardez les dernières élections municipales et régionales. Si on n'avait pas posé le problème d'indépendance, si le président n'avait pas pris la parole, les indépendants allaient tout prendre. C'est à cause du président que j'ai combattu les indépendants. Parce que pour moi, on ne peut pas désobéir à la parole du président Ouattara. Mais si on veut aller dans la vérité, ces indépendants, on pourrait dire certains avaient raison. Parce que les cadres du RHDP, nombreux d'entre eux, à 90%,
refusent de faire la politique carrément. Ils attendent que c'est le président Ouattara qui fasse tout. C'est le président Ouattara qui va faire tout. Et souvent même, le président Ouattara le dit lui-même. Ici, là, j'ai vu tant. Je suis obligé d'appeler tel ministre. Même pour aider leurs propres frères ivoiriens, ils ne peuvent pas. Pour aider leurs propres frères ivoiriens, ils ne peuvent pas. Ils sont milliardaires. Ils ont tout, mais ne peuvent pas. Nombreux sont égoïstes et méchants. C'est pour ça que je me dis l'arrivée de Patrick Achi allait booster beaucoup de choses. Mais il est resté dans le même système. Une petite élection municipale régionale. Les gens doivent investir des milliards sur des milliards. C'est pas que les gens n'ont pas travaillé. Ils étaient obligés, quand c'est leurs intérêts, ils mettent beaucoup de milliards. Déjà, ils ont l'argent. Mais il faut aller vers eux pour dire, tu veux lancer ton entreprise. Ils ne sont même pas capables d'ouvrir ton dossier. Il faut aller vers eux pour dire, je veux faire ça, investir dans ça. Ils ne sont pas capables. Ils tuent même leurs leaders de jeunesse. Ils tuent même leurs militants. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, je me pose des questions. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Patrick Achi. Parce qu'il ne nous a rien proposé. Moi, personnellement, il ne m'a rien proposé. On dit, oui, c'est un technocrate. D'accord, il est technocrate. Oui, mais en quoi s'agit sur la vie des Ivoiriens? Le cas de la jeunesse ivoirienne. Le ministère de la jeunesse, là, il n'y a pas l'argent. Ministère de la jeunesse, là, il n'y a pas l'argent. Est-ce que Patrick Achi a su qu'au ministère de la jeunesse, il n'y a pas l'argent? Il n'y a pas d'argent au ministère de la jeunesse pour financer les projets des jeunes. Ce qu'on m'a dit. Moi, je ne suis pas dans les trucs où on vient narguer le chef de l'État. Je vous ai dit là où je suis là. Je vais maintenant parler. Je vous dis, je vais maintenant parler. Je ne vais pas me taire. Moi, je vis en Europe. Je sais ce que c'est que le ministère de la jeunesse. Les politiques qu'on met en place pour que le jeune ne soit pas esclave. Le jeune ne mentit pas. Le jeune est libre d'aller prendre ses fonds. Manez-y pour chercher les fonds en Côte d'Ivoire. C'est des clans qui vont décider. S'ils n'aiment pas ta tête, tu es foutu. Si tu n'es pas de leur réseau, tu es foutu. Mais pendant des années, on vit ça. Des gens vivent ça. D'Ivoiriens sont nombreux qui vivent ce genre de système. Mais ce n'est pas normal. Mais c'est tout ça qui fait que quand il y a élection, les Ivoiriens ne veulent pas voter, ils sont assis chez eux. Et les taux de participation sont faibles. Parce qu'ils sont découragés du comportement de certains cas. Vous partez au ministère de la jeunesse, il n'y a même pas l'argent. Allez-y dans les banques, il n'y a rien. Des conventions inutiles signées, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui elle veut aller dire au chef de l'État que les banques sont vides? Pendant que dans notre pays, on attend chaque jour que des gens détournent des milliards. Des banques n'aident pas la jeunesse ivoirienne. Des banques n'aident pas les Ivoiriens. Tous les investissements viennent des étrangers. Ce sont les Marocains. Ce sont les Libanais, ce sont les Tunisiens, ce sont les Guinéens, ce sont les Burkinabés, ce sont les Maliens. C'est eux qui ont l'économie de notre pays en main. C'est eux qui peuvent solutionner à des marchés. Mais je sais de quoi je parle. La Côte d'Ivoire ne crée pas ses champions. Parce que ceux-mêmes à qui le président Ouattara a donné la chance d'avoir de gros marchés, être à la tête des gros marchés, n'aident pas. Ils prennent toujours les mêmes marchés. J'ai dit à certains proches de Patrick Achi, j'ai dit, permettez qu'on lui parle. Permettez qu'on lui parle, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très mal dans ce pays. Il y a des choses qui fonctionnent très mal, son clan est resté là. Et ils pensent qu'on veut aller prendre leur place. Nous, on ne cherche pas à vous prendre leur place. Nous, on peut rester en Europe ici, puis on s'en fout. On peut rester en Europe, puis on s'en fout. Mais comme Ouattara, on le connaît. Et Ouattara, le président Ouattara, c'est quelqu'un sur qui on compte. Après, on voit Boigny. Pour nous laisser un héritage solide, là où tous les pays de la sous-région sont en train de se déstabiliser. Ouattara, aujourd'hui, faire de sorte que la Côte d'Ivoire monte. Ouattara a besoin aujourd'hui des cadres sérieux, des cadres qui vont fédérer la jeunesse ivoirienne, qui vont fédérer toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu Patrick Achi faire des vraies tournées. Je n'ai pas vu Patrick Achi faire des vraies tournées. Il est resté là. Il va ici, il vient. Il ne peut pas nommer. C'est-à-dire, tu es premier ministre, tu ne peux pas nommer. Et les gens vont me dire, ah, premier ministre, la Patrick Achi ne peut pas nommer, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Mais s'il ne peut pas nommer, il n'a qu'à parler. Si le conseil à qui il ne peut pas nommer, là, il n'a qu'à parler. S'il ne peut pas nommer, il n'a qu'à parler. Tu ne peux pas être premier ministre, tu n'as pas pouvoir, et puis tu es assis là, tu fais quoi là? Tu rends ta démission. Parce que
Quand c'est comme ça, on fait comme si c'est le président Ouattara qui est responsable de ça. Il n'est pas responsable de ça. Si tu ne poses pas des problèmes, comment Ouattara va savoir? Moi, j'étais au RDA. J'ai été confronté à des problèmes. J'étais dans un parti où le président Ouattara m'a nommé. Il dit, bon, donnez ça là au porte-parole. Moi, on ne m'a pas donné. On a trié les groupes. Ils ont trié, ils savent à qui ils donnent. Un jour, je me suis levé, je suis allé dire au président que je ne suis pas d'accord. Je suis aussi porte-parole. Et tous, ils ont eu voiture, ils ont eu maison moyen. Mais moi aussi, je suis pas pour le ballon. Le président Ouattara était surpris, il ne savait pas. C'est comme ça que à Montano, matin, m'appelle pour dire Sanson, tiens. À Montano, que je salue ici, il dit tiens. Parce que tu as besoin de ça pour être sur le terrain. Tu as besoin de ces moyens, tu fais un travail colossal au sein du parti, tu ne mérites pas ça. À Montano me l'a dit, il est vivant, puis je parle. Il dit, tu ne mérites pas ça. On ne peut pas donner aux autres. Et puis vous, qui allez être au groupe ethnique, on va vous laisser. On sait beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Hein. C'est pour ça que les autres qu'on choisit, qu'ils soient les êtres ethniques que le président choisit pour leur donner les postes de premier ministre, on veut qu'ils s'imposent. Je veux que ces cadres-là s'imposent, qu'ils s'assument. C'est la meilleure façon d'aider le président Ouattara. C'est la meilleure façon d'aider le président Ouattara. Quand le président vous nomme, imposez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire sont enclavées. J'ai fait des tournées politiques avec Bruno Nabané. J'ai fait des tournées politiques avec beaucoup de cadres. J'arrive dans des régions, on se plaint. Non, dans telle région, il n'y a pas parce que les cadres même du PDCI ne s'entendent pas. Les cadres du PDCI sont divisés. Ils se donnent des coups. Mais c'est des coups. Tu arrives à l'église jusqu'à Bondoukou. Demandez pourquoi jusqu'à présent Bondoukou n'a pas de route. Pourquoi Tanda n'a pas de route? Ils vous expliqueront. Les populations vont vous dire. On envoie les machines, le lendemain on déplace. Parce que c'est des jeux politiques qui se donnent des coups politiques. Qui fragilisent le combat de Ouattara. Et puis nous on vient chaque jour, on défend un système alors qu'au sein d'entre nous c'est pourri. Au sein d'entre nous c'est pourri. Plusieurs fois on fait des vidéos, on interpelle Patrick Hachi. Tu es le premier ministre, il faut parler à tes ministres. Il faut leur parler. Ils ne sont pas obligés d'être ministres. S'ils veulent faire leur palabre, mais qu'ils quittent le gouvernement. S'ils veulent toujours faire leur palabre, mais n'ont qu'à quitter le gouvernement. Ils n'ont qu'à partir. Attends, mais c'est nos énergies, c'est nos vies qu'on met en jeu. C'est nos vies qu'on met en jeu. Les Ivoiriens souffrent dans les régions, les jeunes n'ont rien. Les jeunes n'ont rien à l'intérieur. Et on est dans un système où des individus sont des multimilliardaires. Où des individus sont des multimilliardaires. Et on sent chaque jour qu'ils détournent les choses. Ils créent des systèmes et entre eux, et leurs familles et leurs enfants. Mais c'est sur le premier ministre qu'on compte. C'est sur le premier ministre qu'on compte pour régler ces problèmes. Il n'a qu'à prendre les listes des fonctionnaires dans les administrations. Le premier ministre doit prendre dans chaque administration qui est en. Et puis il dit non, ça c'est pas normal. On veut faire de sorte que les Ivoiriens profitent tous. On a quand même combien de régions? Tu ne peux même pas voir Patrick Hachi. Il est autour de lui, mais tu es premier ministre, tout le monde doit avoir ça à toi. Ceux qui ont ça au premier ministre, c'est toi les blogueurs. Les blogueurs, ils font quoi pour votre lutte? Quand la Côte d'Ivoire attaque, quel blogueur qui prend vidéo? Quand il va faire vidéo, quand la Côte d'Ivoire est menacée, insultée, dénigrée. Qui? Des petits gens qui s'amusent dans leurs trucs avec leurs vidéos pour avoir leur argent, c'est ceux-là qui deviennent vos stars politiques. Là où vous êtes là, c'est des postes politiques. Je l'ai dit toujours. Et je vais dire à chaque cadre du RHDP. Les postes ministériels qu'on vous donne là, c'est des postes politiques. Les postes ministériels qu'on vous donne sont purement politiques. Les postes de DG sont des postes politiques. Les postes de PCA sont des postes politiques. Celui qui n'a pas compris, c'est son problème. Celui qui n'a pas compris ça, c'est son problème. Moi, je vous dis la vérité. Je n'ai rien à vous cacher. Quand le président Ouattara vous nomme premier ministre, c'est un poste politique. Il attend beaucoup de vous. C'est moi qui dis ça. Moi, j'ai été son porte-parole. Même en pleine réunion, j'ai toujours été franc. J'ai toujours dit ce que je pense. Et le président Ouattara a toujours accepté que je dis ce que je pense. Tous les Fabrice sont là, ils sont nombreux encore. Les Touré Mamadou sont là. Je n'ai rien à cacher.
Quand quelque chose fonctionne mal, je dirais que ça fonctionne mal. Des clans, les marchés publics, allez-y dans les ministères. Ce sont les mêmes réseaux de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens, de Libanais, de quoi? Ils s'approprient tout. Et l'Ivoirien là, parce que l'Ivoirien n'a pas de capital. L'Ivoirien n'a pas de moyens. L'Ivoirien, son travail, c'est de faire politique. Supporter. Mais vous avez des familles, vous avez des enfants. Personne ne pense à vos familles, à vos enfants. Personne ne pense à vos familles, à vos enfants. Comment vos enfants vont aller à l'école? Demain, vos enfants, ce sont eux qui vont conduire la Côte d'Ivoire de demain. Vous n'ouvrez même pas le débat, vous êtes dans les émotions. Vous êtes dans la haine, vous êtes dans les injures. Mais le vrai problème, c'est-à-dire les pays là, c'est ça qui fait vos enfants et vos familles. C'est ça qui fait vos enfants et vos familles. Aujourd'hui, je suis fier de notre armée. Un gouvernement où les cadres se piétinent. Pendant longtemps, on est resté là dans des conflits de cadres. Jusqu'à certains même qui ont défié Ouattara. Qui étaient cachés derrière certains indépendants ont été reconduits. Des gens qui étaient cachés derrière certains indépendants. Et puis nous, on a pris la parole, on s'est fait des ennemis. C'est vrai, aujourd'hui je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Tu vas te faire des ennemis, et puis demain, ils vont venir s'attendre. Quand tu dis non, tu défends, tu veux que tout soit droit, toi, si on a dit, ne touche. Moi où je suis là, je ne vais plus jamais venir me mêler d'un problème de cadre ou quoi, jamais. Je viens, c'est la politique de Ouattara. Parce que j'ai déjà tout compris. Même si on dit un cadre comme ça, il est ceci, il faut laisser, il ne faut pas te mêler de ça. Parce qu'ils vont se retrouver, demain ils vont former le gouvernement, ils seront toujours là. On va toujours les ramener. Ils vont revenir. Nous tous, on sait que ce n'est pas normal, mais ils vont revenir. Oui, ils vont revenir. Tu vas dire quoi? Eux-mêmes là, ils sont derrière les indépendants. Ils ont financé des indépendants. Nous-mêmes, on a affronté des indépendants. Je suis sur les réseaux sociaux. J'ai dit, vous devez respecter Ouattara. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le gouvernement, ils ont été reconduits. Beaucoup ont été reconduits. Quand c'est comme ça, là, tu vas dire quoi? Quand c'est comme ça, tu vas dire quoi? Mais c'est le président Ouattara que les gens fragilisent. Je l'ai dit toujours. Parce que je ne sais pas comment se fait les choix des ministres. Il y a des ministères où nous avons été, où nous avons des informations. Mais beaucoup ont été reconduits. Beaucoup ont été reconduits. Je reviendrai sur ça demain. Dans une prochaine vidéo sur le nouveau gouvernement. Parce qu'il est temps qu'on parle. Il est temps qu'on dise au président Ouattara qu'il a commencé un grand travail. Aujourd'hui, la sous-région est pourrie des putschistes terroristes. Nous, on ne se tait pas. Parce que pour nous, la communication elle est très importante. La communication, l'armée dans un pays, c'est très important. C'est pour ça que nous, on ne va pas se taire. Vous voulez succéder à Ouattara? Vous êtes dans des clans. Vous êtes dans des petits trucs. Vous n'êtes pas au service du peuple. Vous n'êtes pas au service des Ivoiriens. Ouattara a mérité son poste de premier ministre. Aujourd'hui, après premier ministre, il est devenu président de la République. Aujourd'hui, quand on regarde le système, on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour dire que tu es candidat pour nous représenter aux élections présidentielles. Tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, d'autres pays, ça marche. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui va être après Ouattara doit avoir une maîtrise totale des dossiers de l'État. Il doit avoir une maîtrise parfaite des dossiers de l'État. La sous-région, là, il doit être capable d'avoir des réseaux pour ne pas que demain les terroristes, les djihadistes frappent la Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'il y ait des coups d'État ni des rébellions dans notre pays. C'est pour ça que moi, Zasso, je reste ferme. C'est pour ça que je reste ferme. Celui qui veut succéder à Ouattara, parce que souvent vous faites vos palabres, on vous écoute, on vous voit. Vous êtes en train de monter vos petits clans. Mais vos clans là ne pourront rien faire. Moi j'ai dit ça à certains ministres. J'ai dit les clans que vous montez là, ça ne peut rien faire. Cherchez plutôt à fédérer la jeunesse ivoirienne. Cherchez plutôt les Ivoiriens. On a plus de combien d'ethnies, on a combien de régions. Prenez de la hauteur. Si vous voulez demain remplacer Ouattara, faites comme Ouattara. Il a pris de la hauteur. Allez-y dans les ministères, c'est la même personne qu'on nomme à chaque fois. Pourquoi? Allez-y. Allez-y. La machine est lourde. En Europe,
La machine comme ça, ça va vite. Aujourd'hui, avec la dimension, l'homme politique qu'on a, on doit avoir une machine. Mais c'est lourd. Je vous jure, je vous mets au défi. Moi, Zasso, j'ai déposé le dossier. J'ai déposé le dossier. J'ai déposé le courrier. Je suis obligé, après combien d'années, aller demander à quel niveau se trouve mon dossier. J'ai mail, j'ai tout. Même réponse, je ne gagne pas. Même réponse, je ne gagne pas. Mais on connaît des gens. On connaît des gens. Ce que nous on fait là, il ne peut même pas faire petit. Mais ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Les gros financements, on regarde. C'est pour ça que je compte sur les premiers ministres qui vont venir. Le premier ministre qui arrive là, il aura une vidéo. Et je me forcerai chaque fin du mois à faire une vidéo pour parler à Beugre Mambé. Ah mais oui, je vais parler à Beugre Mambé à chaque fois. Je vais lui dire, grand frère, ton gouvernement là, nous on a accepté. Parce que le président a accepté, on a validé, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, nous allons dénoncer tes ministres. Et ça, c'est clair. Dans le cas contraire, si vous ne faites pas attention, vous allez tous partir ensemble. Je resterai dans cette position, je ne me laisserai plus distraire. La CAN approche. On lui a confié, on a confié ça à Beugre Mambé parce que la francophonie, il a été à la hauteur. Tous les grands travaux qu'on voit à Abidjan, ça a été le succès de Beugre Mambé. Il ne parle pas beaucoup. Il est sérieux, il est honnête. Beugre Mambé connaît la valeur de l'homme. Nous espérons, et j'espère, qu'il ne viendra pas s'enfermer dans un système. J'espère qu'il ne viendra pas s'enfermer dans un système. J'espère qu'il ne viendra pas s'enfermer dans un système. Il ira partout écouter les Ivoiriens. Il ira dans toutes les régions. Il n'a qu'à laisser les mêmes gens. Il n'a qu'à chercher une nouvelle équipe qui vont l'accompagner sur le terrain pour recenser les vrais problèmes. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, ça se prépare aujourd'hui. À 2 ans, on n'a même pas... Aujourd'hui, nous tous, on attend. C'est le président Ouattara qui sera candidat. Et, ah oui, c'est le président Ouattara qui va être candidat. Même si au Sénégal, Macky Sall dit qu'il s'en va. En Côte d'Ivoire, ça sera le président Ouattara. Parce que moi, je n'ai pas encore de lisibilité. Moi, je n'ai pas encore de lisibilité. Je regarde, mais je ne vois pas encore. Il y a des cadres. Mais ils ne veulent pas faire la politique. Ils ne veulent pas faire la politique. Ils refusent de faire la politique. Ils s'enferment dans des clans. Mais les clans là, si Ouattara était enfermé dans les clans, il ne serait pas président. Si Ouattara était dans le tribalisme, il ne serait pas président. Moi, j'ai fait sa campagne. Et je sais. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a voté Ouattara face à Bagbo. Et Ouattara a eu 32%. Mais aujourd'hui, il y a des réalités qui sont là. Et j'espère que les gens vont m'entendre. Parce que je vais beaucoup parler. Maintenant, je vais beaucoup parler. Il y a Richard Toto qui m'appelle griot. Mais Richard Toto, moi je préfère un griot qu'un idiot comme toi. Moi je préfère expliquer les choses qu'un idiot, un lâche comme toi. Parce que toi tu te tais. Tu es un lâche. Tu comprends? Tu es un lâche, tu te tais. Tu n'as pas de courage. C'est ton manque de courage qui fait que à chaque fois tu es dans la ligne, griot. Mais allez-y au Mali aujourd'hui. Ceux qui soutiennent le système, ce sont des griots. Ils crient, 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 Assimi Goïta au pouvoir. Et Assimi Goïta au pouvoir, c'est parce que vous êtes lâches que dans vos partis politiques, les gens que vous soutenez, les choses n'avancent pas. Et puis vous êtes muets. Parce que vous ne connaissez pas la politique. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans la politique. Vous êtes que des lâches. Moi, je salue ceux qui ont le courage de dire. Je salue ceux qui ont le courage de parler. Je les salue. Là où toi, tu es muet, tu murmures. Et tout ce que tu peux venir faire, c'est de te cacher pour dire que tu es griot, bande d'idiot. Je te dis ouvertement, tu es un idiot, tu es lâche. Parce qu'après ça, là, tu vas aller te cacher pour critiquer. Moi, je préfère dire ça ici. Tu as compris, Richard Toto? Tu es lâche. Tu es lâche. Ça, je te dis la vérité. C'est parce que nous, on parle que le pouvoir, là, le pouvoir de Ouattara, là, les gens ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils cachent là, nous, on met ça sur la place publique. Et ça renforce le système de sécurité. Quand nous, on parle là, quand Johnny parle, Gouza parle, Lagi parle, les militaires écoutent. Ça aide
la sécurité du pays. Parce que nous, on n'est pas hypocrites. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Ah mais oui. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Nous, on n'est pas des lâches. C'est les lâches là qui pensent à leurs intérêts. Les lâches là, ils pensent qu'à leurs intérêts, à eux. Leurs intérêts personnels. Moi, je parcours la Côte d'Ivoire. Mais c'est mon argent, je mets dedans. Combien de temps tu dépenses pour aller connaître la Côte d'Ivoire? Combien tu investis pour aller connaître la Côte d'Ivoire? Pendant que toi, tu es ici en train de faire commentaire, moi, je vais dans des villages de Côte d'Ivoire. Je vois la misère des Ivoiriens. Je vois des villes. Va sur ma page, tu vas voir. Je fais le tour, je vais avec des hommes. C'est mon argent, je mets dedans. Toi, combien tu dépenses? Combien tu dépenses pour connaître les problèmes des Ivoiriens? Je quitte en Europe, je paye billets. Je viens en Côte d'Ivoire. Je loue des voitures, je prends des gens, je fais le tour. Je fais des vidéos, vous voyez. Quand vous voyez, vous likez, vous êtes content, vous voyez les problèmes des autres. Mais c'est un travail. Je le fais de façon volontaire. Est-ce que tu comprends bien? Et quand j'étais sous Gbagbo, là, j'ai dénoncé le régime Gbagbo. J'étais pété, mais j'ai dénoncé le régime Gbagbo. Non, moi, je ne suis pas dans vos idiots aussi, là, je ne suis pas dedans. Moi, je vis dans le pays des Blancs, où chaque jour les Blancs parlent. Va voir les médias en Europe. Chaque matin, les gens parlent. C'est parce que les gens parlent que leur pays avance, les mentalités changent, les comportements changent. Chez vous, les Noka s'éteignent. Pourquoi ils vont s'éteindre? Ils n'ont qu'à s'éteindre par rapport à quoi? Tu penses que si le président Ouattara s'était tué, il allait être président aujourd'hui? Si le président Ouattara s'était tué, tu penses qu'il allait être là aujourd'hui ou là? Il en parlait, il s'assumait. Bande de lâches que vous êtes. De sales hypocrites que vous êtes. De sales hypocrites. Vous vivez dans des pays où vous n'avez pas dit, vos yeux sont fermés. On fait des efforts pour vous ouvrir des yeux. Vous ouvrez pour ouvrir vos yeux remplis de saleté là. Et c'est vous qui emmerdez les gens à chaque fois. Tu viens sur ma page, tu viens commenter à la con. Je vais te répondre à la con. Je vais te répondre à la con. Je serai sans sentiment pour vous parce que vous êtes les plus visibles, les plus nuls de la société ivoirienne. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Voilà, vous avez soutenu Gbagbo, vous avez soutenu Soro, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? C'est nous l'on parle. Vous étiez à Gbagbo, vous avez fermé vos bouches. Mais le voilà, il est où aujourd'hui? Il est où? Il est où? Aujourd'hui, vous jouez les hypocrites autour de lui. Quand lui disait ça, c'est pas bon, vous étiez content. Ah, Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Mais nous, on a parlé. C'est parce que nous, on est honnête qu'on est là. Hein? Ah, mais oui. Quand nous, là, quand c'est pas bon, on te dit c'est pas bon. Et puis, dans le verbe, moi, je suis Ivoirien, c'est mon pays. Mes parents se sont battus pour que ce pays soit ce pays. C'est des grands producteurs. Café de cacao, c'était des tonnes. Donc, tu n'as rien à me dire. Et je dis ça toujours aux gens, tu n'as rien à me dire. Les Burkinabés défendent leur pays. Les Maliens défendent leur pays. Les Guinéens défendent leur pays. Moi, je défends mon pays. Le débat que je mène, là, c'est pour mon pays. Tu veux, tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je mène le combat de mon pays. J'ai décidé de jouer mon rôle. Si toi, tu as décidé d'être un lâche, mais il faut rester lâche, c'est ton problème. Il faut rester lâche, ferme ta bouche sur les choses de tais-toi, va manger comme parce que c'est ça que va travailler. Vous qui vous taisez là, c'est vous qui mangez. Dans le pays là, c'est ceux qui ne parlent pas qui mangent. Mais ceux même qui crient les gars, c'est moi qui vous dis ça. Souvent vous parlez, c'est pas, on ne peut pas vous répondre. Les lâches là, c'est les gens qui ne parlent pas. Eux, c'est les hypocrites. Ils sont derrière les ministres là pour jouer les papatos. Ils sont derrière les personnalités pour les diviser, pour créer des clans. Et puis après, vos personnalités là ne vont nulle part. Il y a des gens qui ont fait ça avec Patrick Hachi. Quand tu veux dire la vérité, non, il faut laisser. Il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, Patrick Hachi, on l'a voté. Il pouvait être un bon candidat en 2025. Il pouvait. Mais vous n'avez pas voulu qu'on lui parle. Vous avez fermé un clan autour de lui. C'était pourri. On voulait lui dire, frère, ta machine là, c'est pourri, c'est grippé. Il faut revoir. Ton système là, c'est pas bon. Il faut revoir. Moi, ça, j'étais prêt à lui dire ça. Ahmed me connaît. ORDL, on me connaît. Moi, là, tu as ton argent, tu l'as... je connais ton argent. Un homme politique ne peut pas me dire que lui, il est riche, ce n'est pas possible. Moi, je suis un intellectuel, j'ai vécu dans des pays riches, puissants. Un homme politique ne peut pas me dire que je suis riche, jamais. Tu as levé ça où? Un homme d'affaires peut me dire qu'il est riche, je peux accepter. Un homme d'affaires peut me dire qu'il est riche, je peux accepter. Mais un homme politique ne peut pas me dire, parce que c'est l'argent du contribuant qu'on lui donne pour travailler pour lui. Non, les lâches, là, c'est vous, c'est pour vous.
Réveillez-vous, hein. Si c'est avec moi, Zasso seulement, réveillez-vous. Avec moi, Zasso, là, réveillez-vous. Bande d'idiots que vous êtes. Alors, mon frère Diarra, vraiment merci. Moi, je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire, terminer pour dire au Premier ministre Patrick Kachi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, mon combat, c'est d'amener les gens à s'améliorer et à faire plus que leurs prédécesseurs. Alors, ça, le président Ouattara, il fait plus qu'Oufou Boigny. Hein. Oufou a fait beaucoup. Mais après lui, il y a eu des gens qui sont venus. Ils ont fait quoi? Bédé n'a rien fait, Gueye n'a rien fait, Pabo n'a rien fait. Aujourd'hui, Ouattara, il fait des merveilles. C'est sûr que nous, on compte. Hein. Donc, s'il y a des soucis dans son gouvernement, dans les ministères, dans les quoi-quoi, moi, de toute façon, je vais parler maintenant. Et je vais dire aux Ivoiriens, dans les villes et régions de Côte d'Ivoire, quand il y a des problèmes, appelez-moi. Nos maires, là, ils vont nettoyer les villes. C'est le Premier ministre qui doit dire aux maires, nettoyer les villes. Qui doit dire aux gens, arranger les villes. On veut les propriétés des villes. Le Premier ministre doit prendre des sanctions. Le Premier ministre, c'est là, il ne peut pas parler. Les villes sont sales. Tu arrives à Yamoussoukro, c'est sale. Tu arrives à Gagnon, ici, à Dubéra, tout est sale. Tu arrives à Bassam, les villes sont sales. Mais c'est des gens qui vivent dans ces villes, ce sont des Ivoiriens. Le Premier ministre, là, il doit gérer tous ses problèmes, c'est pour ça qu'il est Premier ministre. Il doit gérer tous ses problèmes, c'est pour ça qu'il est Premier ministre. On vous parle, vous êtes là, et quelqu'un avec des postes à la con, des commentaires à la con, bande d'illettrés, bande d'analphabètes, d'ignorants. Si vous voulez faire politique, là, faites des vidéos, on va parler. Moi, je ne suis pas, je ne vis pas dans le même pays que vous. Hein. Ah, mais oui. Moi, l'Europe m'a ouvert les yeux. J'ai commencé politique en Côte d'Ivoire, je suis venu dans le pays des Blancs. Partout où je passe, c'est propre. Là-bas, c'est la rigueur, c'est la fermeté. Quand le président t'a nommé, fais ton travail, tu ne peux pas, tu démissionnes. Tu ne peux pas, tu rends ta démission. Si tu penses qu'il y a des choses qui t'embrouillent, tu n'arrives pas à tenir, tu rends ta démission, c'est simple. Ne vous mettez pas dans le système et puis après, quand c'est pourri, on va dire non, c'est parce que c'était comme ça, c'est parce que c'était ceci, c'est moi, je ne suis pas dans ça. Ouattara s'est imposé lui-même devant Oufou Boigny. Ici, il a arrêté Babou en 92. Quand Babou a voulu faire son coup d'État, déstabiliser la Côte d'Ivoire, il a pris ses responsabilités. Le président Ouattara a pris son responsabilité, il était Premier ministre. Il a réussi à calmer la situation du pays. Il a redressé les gens. On vous nomme le Premier ministre, c'est un désordre total dans les administrations, partout. Les gens viennent au travail à 11h, à midi, à 14h. Des Ivoiriens sont dans les directions. Ils vont attendre pendant des heures sur des heures. On attend le directeur de cabinet. On a même la secrétaire vient à 11h. Même le secrétaire, elle vient à 11h. Et nous tous, on est assis là, on attend. À quel moment ils vont venir? Et vous ne voulez pas qu'on apporte la cachette, mais c'est notre administration que tu as tué. Ce sont les mentalités qu'il faut revoir. Il faut revoir les comportements des gens. Il faut booster, il faut apporter le changement. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Ce soir, partagez cette vidéo et je reviendrai encore sur ça. Parce que ce nouveau gouvernement, je vais parler de ça. Je vais parler de ce nouveau gouvernement. Et je vais maintenant dire aux Ivoiriens, à la jeunesse, je ferai des vidéos pour vous donner mon numéro. Vous qui avez vos problèmes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, à cause de vous, je vais aller maintenant dans les régions. Vos problèmes, on va exposer. Le gouvernement là, va trouver solution. La CAN approche. Hein? La CAN approche. Il faut que nos villes soient propres. Toutes les villes de Côte d'Ivoire doivent être propres. Toutes les villes de Côte d'Ivoire doivent être propres. Et ça, je vais dire ça demain à Mambé. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire doivent être propres. Les maires qui ne veulent pas travailler, il faut les dégager. Toutes les structures en charge pour nettoyer les villes de Côte d'Ivoire, il faut les dégager parce qu'ils ne valent rien. Si c'est des mesures qui prennent, prenons des mesures, dégageons-les. Et ça, je serai ferme. Je vous dis la vérité. Portez-vous bien.